gamin, peux-tu me dire quelle heure il est, s'il te plaît? J'ai un rendez-vous à 17h. Je ne sais pas, papy, la grande aiguille n'est pas sur le 12. Je n'ai pas fini d'apprendre à lire l'heure. C'est exact. Nous n'avons pas encore appris à lire les minutes. Mais nous allons le faire tout de suite. Dans cette vidéo, nous avions appris à lire les heures pleines et dans celle-ci, les heures de l'après-midi. Je rappelle que la petite aiguille montre les heures et la grande les minutes. La rouge, c'est pour les secondes et on va en parler dans une autre vidéo. Je rappelle que lorsque la grande aiguille est sur le 12, c'est comme si on avait 0 minutes. Il suffit alors de regarder ce que montre la petite aiguille des heures. Là, il est 5 heures. Pour les heures de l'après-midi, nous avions vu qu'ici par exemple, il est 3 heures du matin ou 15 heures. Maintenant, nous allons parler des minutes et c'est la grande aiguille qui va montrer les minutes. La grande aiguille avance plus vite que la petite, même si on ne la voit pas avancer. Si tu regardes régulièrement, tu verras que la grande aiguille dépasse toujours la petite. Tu le vois dans cette vidéo en accéléré. Et donc là, il est 4 minutes ? Ah non, les minutes, ce ne sont pas les nombres en rouge, mais les petits traits qui sont là. Chaque petit trait, c'est une minute. Et il y a 60 traits pour faire tout le tour de l'horloge. Et pendant que la grande aiguille fait tout le tour, la petite n'aura avancé que d'une heure. Ça veut dire qu'il faut 60 minutes pour faire une heure. À chaque fois que la grande aiguille fait un tour, donc 60 minutes, la petite ajoute une heure. Regarde bien. Pour ne pas écrire trop de nombres, on met juste les nombres de 5 en 5 devant les grands traits. Regarde, je te les ai mis en bleu comme l'aiguille des minutes. Si par exemple l'aiguille des minutes est comme ça, elle montre 20 minutes. Et ici, elle montre 40 minutes. Et là, eh bien, 42 minutes. Donc là, par exemple, il est 3h07, ou 3h07. On dit d'abord les heures et ensuite les minutes. Il y a plusieurs manières d'écrire l'heure, avec les mots en entier comme ici, avec juste un H pour heure, ou encore un double point à la place du H. Ici, je mets un 0 quand il n'y a pas de dizaine. Et là, il est 6h50 ou 18h50 si on est le soir. Attends, l'aiguille des heures n'est pas sur 6, pourquoi tu dis 6h? Souvent, l'aiguille des heures n'est pas exactement sur les chiffres, mais plutôt entre deux chiffres puisqu'elle avance. Concentre-toi dans cette vidéo sur la petite aiguille. Regarde, elle ne saute pas d'une heure à l'autre, mais elle avance tout doucement. Ici, il n'est pas encore 9h, alors il est toujours 8h. Donc il faut attendre que la petite aiguille soit exactement sur le 9 et la grande sur le 12 pour qu'il soit 9h. Ici par exemple, quelle heure est-il? Eh bien, il est 5h55. Eh bien, même si la petite aiguille est toute proche du 5, elle n'est pas encore sur le 5. Donc il est toujours 4h55. Et là? Il est 10h15. Exactement, on dit 10h15, mais aussi 10h et quart, parce qu'ici, on a un quart d'heure. Quand l'aiguille des minutes est ici, il est 10h30, et on dit aussi 10h30, car on fait la moitié d'une heure, la demi-heure. On utilise « écart » et « et demi » seulement pour les heures du matin. Par exemple, 11h15 ou 11h30. Mais on ne dit pas 12h30 ou 15h15. Ok, donc quand l'aiguille des minutes est là, c'est « écart » et là, c'est « et demi ». C'est bon, je sais tout ?
Pas tout à fait. Il reste encore des choses à apprendre qui sont un peu compliquées et que nous verrons dans d'autres vidéos. C'est moins le quart, moins 10, moins 5, etc. Et nous verrons aussi les secondes. Pour le moment, on va s'entraîner sur ce que l'on a déjà vu. En dessous de chaque horloge, écris quelle heure il est sur une feuille ou une ardoise. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire l'exercice. Si tu as terminé, voici les réponses. À chaque fois, je t'ai mis plusieurs possibilités si on est le matin ou l'après-midi. Compare avec ce que tu as fait. Si tu as des erreurs, essaye de comprendre pourquoi. Et comme ça, les erreurs te permettent d'apprendre. En attendant, je te propose de t'entraîner sur cette fiche que tu pourras retrouver sur le site maîtreluca.fr sous cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao.